Dépêche! Là-haut! Eh ben, c'était chaud, hein. T'as été rapide. Je suis bluffée. Merci. Allez, viens. On y va. Dis, comment tu t'y es pris? Pour les lucioles? Ouais. Tu te souviens la luciole que t'as mordue pour lui piquer son flingue? Ouais, je m'en souviens très bien. C'est très fort. Je te raconte. Un jour, je l'ai vu marcher dans la rue et je l'ai suivi. On est entré dans une ruelle et là, les lucioles me sont tombées dessus. Elles m'ont emmené droit dans leur planque, chez Marlène. T'as eu peur? Carrément. J'ai cru que cette fois, elle allait me trucider. Mais en fait, elle m'a dit « T'en as mis du temps ». Comme si elle m'attendait. Et t'es juste devenue une luciole? C'est un peu ça. Le coup de l'embuscade pour me tuer, c'était un test. Elle voulait être sûre que j'étais motivée. Oh. Allez! On est dans les temps. Avec qui tu traînes ces temps-ci? J'en sais rien. Pas grand monde. Même pas avec Tino et ses potes? Comment ils vont d'ailleurs? Riley, ce sont tes amis. Pourtant, tu leur parles bien. Ouais, des fois. Trente jours, mon cul. Les gens seront infectés tout le temps. Ils le cachent bien. Me dis pas que t'es tombé sur d'autres infectés. Même que pour l'initiation, ils m'ont demandé de tuer ce... En fait, je préfère ne pas en parler. D'accord. Oh merde, planque-toi! Oh. Pardon. Je suis un peu sur le nerf, là. Fais gaffe, ça glisse. Eh, dis... Et si je rejoignais les lucioles? Ellie... C'est le premier truc que j'ai demandé à Marlène. Elle veut que tu sois à l'abri dans cette stupide école. Je suis même pas censée venir te voir. En quoi ça la concerne? Elle a peur que je te crée des problèmes. Mais bien sûr, j'ai pas besoin de toi pour me mettre dans le pétrin. Oh. Hé, hey, tu te souviens la première fois où je t'ai amenée ici? Qu'est-ce qu'on fout ici, Riley? J'ai une surprise pour toi. Quoi? C'est un dinosaure? Peut-être. Je veux bien faire la paix si c'est un dinosaure. Je dirai rien, tu verras.
C'est dingue que Winston soit mort. Tu sais ça? Ouais. Tu sais ce qui s'est passé? Il paraît qu'il est tombé de son cheval. Une crise cardiaque, je crois. Merde. Mais bon, il y a encore combien de morts naturelles de nos jours? Aucune, je crois bien. Tu l'as dit. On va voir ce qu'il nous a laissé. T'es sûr? Quoi? C'est Winston? Waouh, il était pas dégueu. Bingo! T'en veux? Non, ça va. Plus pour moi. À la tienne, Winston. Ouh! C'est fort. Allez. Ellie, aide-moi à lever ça. Je déteste ramper là-dessus. J'ai toujours peur qu'on se fasse écraser. T'inquiète, tu me suis. Tu sais quoi? Si on trouvait un autre passage. Ouais. Pas mal. Hé, hey, Matza, il y a un passage ici. Vas-y, et sois prudente. Comme d'habitude. Riley ? Yeah ! T'es nul, ça fait deux fois aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on soit jamais venu ici ? Viens là, j'ai justement le masque qu'il te faut. Riley ! Parfait. Regarde ça. C'est quoi ça, un loup-garou, un truc dans le genre? Enfile-le. C'est débile. Ouais, ça le fait. Et grogne. Ellie, sérieux? Fais-moi peur! Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Ah, wow, regarde-moi tous ces trucs. Et ça se vend, ces trucs? Je comprends pas. Ah, 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 ah.
Waouh! Espèce d'idiote. Ouais. Il y en a dans tous les coins, c'est dingue! Qu'est-ce que t'en penses? Trop mignonne. Merci bien, gentil pige. Mort de vin. Pose-lui une question, si tu l'oses. Ok. Est-ce qu'on va mourir aujourd'hui? Que dalle! Pff, quelle arnaque. Il faut que tu la retournes, Einstein. Ah. Vos os sont bien à l'abri. Ah! Ouf, ça va déjà mieux. Ah, j'ai une idée. Tu vois ces voitures en bas? Ouais. Toi, tu prends la rouge, et moi la bleue. La première qui casse toutes les vitres de sa voiture avec des briques à gagner. Tu déconnes? Je suis la pro du lancer de briques. Ok. La perdante doit... répondre à une question. Mais sincèrement. C'est vérité ou vérité, c'est ça? Ok, bouffonne. C'est parti. Ouais. Ça, tu as dû lancer. Deux cafés. Chier. Bingo. Oh. Merde. Quoi? Je suis trop nulle. Oui! Merde. Et bim! Non! Fais chier! Allez! Hé, hey, c'est à moi que tu parles? Plus qu'une! Fais chier! Oh, presque. Je suis trop nulle.
Pendant une seconde, j'ai cru que t'allais m'avoir. Ok. Bon, on avait un marché, hein? Allez, vas-y, balance ta question. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour que tout redevienne comme avant? Un vaisseau spatial. Et sans sarcasme? Genre un de ces vaisseaux intergalactiques géants, avec deux hyperpropulseurs. Ellie... J'en sais rien. Continue à faire ce que tu fais. Ça marche bien. T'as raison. Sortons de là. On y est presque. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça me file la chair de poule. Bon. Tu te rappelles quand on disait qu'il n'alimentait que certaines parties de la ville? Ouais. Ben, suis-moi. Donc, tu vois... Toute la ville a du courant. Ils ont juste fait sauter les plombs. Il suffit simplement de les réenclencher. J'y crois pas, ça marchera jamais. Oh. Qu'est-ce que je t'avais dit? Attends, on a tout allumé, là? C'est ce qu'on va voir. T'es vraiment prête pour ça? Attends, je sais ce que t'essaies de faire, et... Je suis contente que tu sois en vie. Enfin... Je suis contente qu'on se soit retrouvés, et... Je le pensais pas. Tous ces trucs que j'ai dit avant de partir, j'en pensais pas un mot. Je te le jure. Riley, t'es une vraie sentimentale. C'est toi qui as commencé. C'est pas vrai. T'es prête? Carrément. Wow, c'est pour de vrai?